Depuis leur rencontre en 2019 au sein du programme Mariés au premier regard sur M6, Charline et Vivien semblaient vivre une romance sans accroc, avec notamment la naissance d'une petite fille. Mais jeudi 10 août 2023, sur leur compte Instagram, ils ont finalement annoncé leur séparation. Depuis plusieurs années, l'émission Mariée au premier regard sur M6 est le théâtre de rencontres, pour certaines rapidement vouées à l'échec, mais pour d'autres qui s'inscrivent sur la durée. C'était le cas pour Charline et Vivien, deux candidats marquants de la saison 3 en 2019. Un amour qui avait pris plusieurs virages importants ces dernières années, avec notamment, un second mariage et la naissance d'une petite fille. Une heureuse nouvelle que la jeune femme partageait avec ses abonnés sur son compte Instagram, le 19 avril 2021, un peu de toi, un peu de moi, et nous voilà désormais trois. Si est-il avec émotion et tendresse que nous vous annonçons la naissance de Victoire qui nous a rejoint le 18 janvier 2021 à 1h46. 3 kg 060 de bonheur et 48 cm d'amour qui nous comble chaque jour. Récemment, le couple annonçait également son déménagement après l'achat d'une maison. Ça y est, nous venons tout juste d'aménager dans notre nouvelle maison, cette petite maison toulousaine dont nous avons tant rêvé. Après 2 années de construction, notre petit cocon de 82 mètres carrés est enfin prêt, et je peux vous dire que nous avons hâte de nous l'approprier. Une page se tourne, il faut reconstruire différemment mais contre toute attente, jeudi 10 août 2023, les deux anciens candidats de télé-réalité ont chacun annoncé leur séparation. En commençant par Charline sur son compte Instagram. C'est le cœur lourd et rempli d'émotions que je vous annonce aujourd'hui notre séparation. Après 5 ans de vie commune, de bonheur mais aussi de moments plus difficiles, nous avons en effet décidé avec Vivien de prendre des chemins différents. Les raisons nous appartiennent et j'espère que vous respecterez notre vie privée et notre choix. J'ai profondément besoin de me reconstruire aujourd'hui. Vivien lui a emboîté le pas quelques minutes plus tard, également via son compte Instagram, avec un long texte poignant, comme le Titanic, notre couple n'est pas insubmersible. Chers amis et followers, si est-il avec le cœur lourd que Charline et moi avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Nous avons partagé de merveilleux moments ensemble, mais nous croyons qu'il est temps de suivre des chemins séparés et prendre le large. Avant de rajouter, je ne vis pas ces 5 dernières années comme un échec mais plutôt comme une réussite avec des voyages, des moments de joie et d'amour qui ont donné lieu à ce miracle de 2 ans et demi maintenant. Une page se tourne, il faut reconstruire différemment mais soyez-en sûrs, nous resterons des parents attentionnés et notre priorité restera la famille pour le bonheur de notre poupée. La fin d'une belle aventure donc. Pour découvrir la publication de Charline, si est ici. Pour découvrir le texte de Vivien, si est ici.